Saint-Esprit agit comme y a. Saint-Esprit agit comme y a. On veut vous guider. On veut vous contrôler. La paix et la grâce de Dieu avec tout le monde, quel que soit côté où il est, bon, se bénir, nous contents, je dis à nous excités et surexcités pour nous capables ensemble, je dis à encore pour nous continuer à partager la parole de Dieu. Il est déjà fait 3h30, donc comme on connaît, rendez-vous nous tous les dimanches à partir de 3h30 pour arriver 4h. Donc nous déjà là pour nous capables passer temps ça ensemble. Jeudi à lycée 12 juillet 2020. Lycée 12 juillet 2020. Donc nous bénissons dans le Seigneur, nous rendons action de grâce à Dieu qui bat nous opportunité ça, qui bat nous privilège ça pour que nous capables ensemble pour nous passer temps ça dans la présence de Dieu. Donc pour même qui pourra le rejoindre nous saluer déjà à la gloire de Dieu. Et ou même qui prend le temps de nous indifférer. Donc, nous saluer aussi à la gloire de Dieu. Merci à nous-mêmes qui prend le temps de messages ça, qui prend le partager messages ça par la suite. Donc, que bon Dieu est capable de bénir nous et que bon Dieu est capable d'aider nous pour nous capable de comprendre et tirer le maximum de moments ça que nous prenons le passé. Donc, moi, invitez-vous à disposer pour nous capables à la prière, bon Dieu. Moi, invitez-vous pour nous disposer, non, pour nous capables à la prière, bon Dieu, ensemble. Donc, merci à vous-même qui êtes déjà là. Et moi, je crois que bon Dieu va permettre que nous passions un moment qui bénit ensemble. À nous prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui pleurons dans le ciel là, nous sentons nous contents, nous réjouissons la minute ça pour l'opportunité que vous accordez, non, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit, merci parce qu'il est notre consolateur, le paraclétos, il est notre enseignant, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous diriger. Seigneur, nous remettons entre tes mains ce moment que nous allons passer. Nous te demandons de nous diriger, de nous contrôler, Seigneur. Que Saint-Esprit est capable de gagner contrôle moment ça. Et que chaque monde qui attendait et chaque monde qui prend le temps est capable de tirer quelque chose pour la vie. C'est ainsi que nous te prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, béni. Donc, Jean nous dit déjà, moi, c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort.
moi ses amis, moi ses frères, et moi content encore aujourd'hui pour moi capable là ensemble avec vous. Donc moi voulais que vous commenciez par habituer avec ce petit rendez-vous d'amour avec le Seigneur. C'est tous les dimanches 3h30 pour 4h. Donc moi souhaitais que vous fassiez le maximum pour que vous capable toujours là ensemble avec nous, 30 minutes pas plus, et moi encourager aussi à inviter l'autre monde pour capable participer avec nous. Frère Lenz, bon Dieu ça, bon Dieu béni, on m'a salué, cap côté nous dans Gonaïve, donc nous vraiment contents que Saint-Esprit capable continuer agir. Donc je dis à nous gagner un sujet extrêmement important que nous parlerons ensemble. Donc c'est première condition nécessaire à l'adoration. Première condition qui est nécessaire à l'adoration. Donc dimanche là, nous t'ai parlé de adoration. Nous t'ai dit que chaque monde qui a vécu c'est un adorateur inné, et nous t'ai montré pour qui ça que nous t'ai dit que chaque monde c'est un adorateur inné. Donc si peut-être ou t'ai raté live que nous t'ai fait dimanche là, donc dimanche qui était 5 juillet 2020, donc nous encourager à aller sur page là et puis on est capable de retrouver live que nous avons fait dimanche là, on est capable de garder lui et comme ça on est capable mieux suivre parcours que nous avons fait ensemble. Ce fascine, bon Dieu béni, on est capable mieux suivre parcours que nous avons fait ensemble. Je dis à l'après, la première condition, il y a une condition nécessaire, il y a une condition, je dirais, sine qua non à l'adoration. Donc, nous avons gagné pour nous une première condition à l'adoration, et nous avons gagné pour nous comment on est capable d'arriver à remplir condition ça. Ça fait une fois Dieu venir, comment nous sommes capables d'arriver à remplir condition ça, cette première condition. Et nous avons pour nous également pour qui ça, première condition ça, que nous allons parler de l'IA, pour qui ça est important. Non seulement on a dit qui première condition liée à l'adoration, quelle est cette première condition. Deuxième bagaille que nous avons ensemble, comment un monde au café rivé remplit cette première condition. Et autre chose, pour qui ça, condition ça, ou pas qu'à passer au délit. Une fois que vous pas rempli cette condition, l'adoration devient impossible. Donc c'est ça que nous avons gagné pour nous ensemble dans 30 minutes que nous pral passer là. Donc nous pral rentrer directement ensemble dans le sujet là. Donc moi invité à partager live là avec amis, donc temps pas en pile. Donc vous êtes capable rejoindre nous aussi rapide que possible. Donc si l'homme pas capable de adoration, donc on est capable de dire si l'homme ne peut pas adorer, mais pour arriver à adorer, faut que gagne des conditions pour arriver à adorer. Donc c'est même gens ont été capable de dire pour mon à l'école, donc faut gagne des conditions pour mon arriver à l'école. Donc même si tout le monde gagne droit pour aller à l'école, tout le monde gagne droit à l'éducation, mais quand même gagne certaines conditions que mon là est supposé remplir pour mon gain accès avec un espace pour qui ont l'école quelconque. Évangéliste Wiggins Belvius, bon Dieu béni, bien-aimé. Donc faut que mon rempli des conditions pour gain accès avec espace là pour arriver à l'école. Donc c'est même gens noté ouais dimanche là, donc tout le monde yo c'est des adorateurs innés. Nous te fait différence pour nous te dire que malgré tout le monde c'est des adorateurs innés, mais tout le monde n'adore pas le Père. Tout le monde n'adore pas le Père, et nous te dit que nous naît avec désir ça en dedans nous-mêmes qui c'est pour nous adorer. Maintenant, pour que désir ça naît avec lui c'est adorer, pour que bon Dieu capable recevoir adoration, il y a gain plusieurs conditions que on doit remplir pour que bon Dieu capable recevoir adoration que moi-même avec vous décider pour nous offrir à lui-même. Donc en pile gain pile condition qui supposé rempli, mais je dis à nous voulons ouais une première condition qui c'est une condition j'aime te dire tout à l'heure là qui c'est une condition sine qua non, une condition qui indice
pensable, yon kondisyon ki indispensable. Donc, kondisyon sa ki indispensable pou rive adore bon Dieu, cette kondisyon n'est autre que la nouvelle naissance. Cette première condition sine qua non pour adorer le Père n'est autre que la nouvelle naissance. Donc, l'indispensable pour que vous passez par la nouvelle naissance pour que vous arriviez à adorer bon Dieu, quoique tout le monde naît avec le désir d'adorer. Maintenant, condition ça, l'indispensable, j'aime te dire tout à l'heure, li sine qua non. Donc, nouvelle naissance, donc, si nous traduit en créole, nouvelle naissance, c'est-à-dire faites une autre fois. Faites une autre fois, ou bien faites une deuxième fois, ou bien faites encore. C'est ça peut-être qu'on est capable de traduire littéralement, ça que nous parlons de nouvelle naissance. Donc, lorsque nous parlons de nouvelle naissance, nous pas qu'à passer nous de Jean chapitre 3. Nous pas qu'à passer nous de Jean chapitre 3. Frère Bermano, bonjour, bienvenue. Nous pas qu'à passer nous de Jean chapitre 3 dès que on a parlé de la nouvelle naissance. Donc, peut-être en pile dans nous qui a regardé, qui a suivi le live là, nous connaît histoire ça qui racontait dans Jean chapitre 3. Donc, on pas pas arrêter sur histoire là. On va arrêter sur histoire là parce que le temps est assez limité, donc on va essayer de gérer le temps le mieux que possible. Donc, Jean chapitre 3, on invite à lire texte ça. Je crois que vous êtes capable peut-être de lire, mais si vous n'êtes pas capable du tout, vous capable de lire, même si vous connaissez lire déjà, vous êtes toujours lire. Jean chapitre 3, c'est l'histoire de Jésus et de Nicodème. Donc, Nicodème, que nous connaissons l'histoire de Nicodème, qui était un docteur de la loi. Donc, dans Jean chapitre 3, après, Jésus reconnaît Nicodème en tant que le docteur d'Israël. Alors que Nicodème reconnaît Jésus comme étant le docteur venu de Dieu. Donc, ça est extrêmement important dans ce chapitre-là. Nicodème reconnaît Jésus comme en tant que le docteur venu de Dieu, mais Jésus reconnaît Nicodème en tant que le docteur d'Israël. Donc, ça est extrêmement important. Donc, juste vais faire une parenthèse ça. Donc, un docteur, pas forcément un médecin, parce qu'en plus, il faut confondre thème ça, qui c'est docteur et médecin. Donc, il y a un monde capable de docteur en médecine, il y a un monde capable de médecin sans lire pas docteur pour autant. Donc, docteur, c'est un titre, c'est un grade que lié. Donc, c'est un monde qui fait doctorat dans un domaine quelconque. Donc, et Nicodème lui-même, c'était docteur de la loi. Donc, il était fait de hautes études en ce qui concerne la loi mosaïque. Donc, c'est ça que fait Nicodème, c'était lui un docteur de la loi. Donc, il y a un monde qui a docteur dans quel que soit le domaine. Il y a un docteur en médecine, il y a un docteur en sciences sociales, il y a un docteur en psychologie, il y a un docteur en théologie, il y a un docteur en musique. Donc, couramment, il y aurait les médecins et les docteurs. Mais il y a un médecin sans médecin, un médecin car un médecin qui sont un docteur. Mais nous devons ouvrir une parenthèse. Là. Bref, ce n'est pas là que nous devons aller. Donc, Jésus reconnaît Nicodème comme étant le docteur d'Israël. Nicodème reconnaît Jésus comme en tant que le docteur venu de Dieu. Donc, dans Jean chapitre 3, donc, nous voyons Nicodème était à côté de Jésus de nuit. Donc, Nicodème était choisi à côté de Jésus dans la nuit. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'il était à côté de Jésus dans la nuit. Donc, parce qu'il y a une première raison qui fait Nicodème d'aller côté Jésus, peut-être c'est par honte, c'est par peur. L'autre raison qu'il était capable de dire qui fait Nicodème d'aller côté Jésus de nuit, c'est parce que secte que tu fait partie de l'IA, il était très conservateur. C'était un secte qui était très conservateur. Donc Nicodème était capable excommunié dans secte que l'IA, toutefois que vous connaissez, il était à côté Jésus de nuit. Mais Jésus t'a expliqué Nicodème qui ça fait une deuxième fois, qui sa nouvelle naissance, qui sa naître de nouveau, il t'avait dit. Donc Nicodème pas arrivé à comprendre, il t'a demandé est-ce que moi dois rentrer dans votre maman pour me faire une deuxième fois, etc. Donc Jésus t'a expliqué Nicodème, c'est pas ça exactement que fait une deuxième fois, il avait dit. Donc fait une deuxième fois,
Christ est dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est de l'esprit est esprit. Donc, fête deuxième fois, donc c'est fête dans l'esprit. C'est fête dans l'esprit. Donc, sous fête dans chair ou chair, sous fête dans l'esprit ou c'est esprit. Donc, fête une deuxième fois, donc, ou recevoir une première naissance. Ok? Ou recevoir une naissance, en première naissance, il dit comme ça, ou de fête d'eau et d'esprit. Donc, nouvelle naissance, c'est à la fois la naissance d'eau et la naissance de l'esprit. Donc, l'on fait d'eau et d'esprit, donc fait d'eau et d'esprit, qui ça fait d'eau et d'esprit veut dire, donc c'est fait humainement, donc fait d'eau, donc vous passez dans le sein maternel, donc dans votre maman, ou dans votre maman, donc vous faites 9 mois dans de l'eau, donc dans votre maman, vous avez dans votre maman, etc., ou le monde pour l'accoucher, vous dites, vous cassez les os, donc. De l'eau ça à côté là dans votre moment là, donc vous faites dans de l'eau, ok, vous faites dans de l'eau, mais ça c'est la première naissance, faites dans de l'eau. Donc si vous pas faites dans de l'eau, pas faites dans l'esprit, parce que faut où t'es existé d'abord pour où t'es capable, faites dans l'esprit. Donc faut où t'es passé par l'eau, après vous t'es passé par l'esprit. Donc faut où t'es fait d'abord dans de l'eau, après vous arrivez fait dans l'esprit. Donc on dit fait né d'eau et l'esprit. Né d'eau, ça veut dire où recevoir une naissance naturelle. Donc vous passez dans votre femme pour arriver à une fête. Donc côté fille, elle même casser les os. Donc vous faites dans de l'eau. Donc vous faites dans l'esprit qu'on y a. Vous venez accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et faites dans l'esprit, c'est la condition nécessaire, la condition sine qua non pour nous arriver à adorer bon Dieu, adorer le Père. Donc Christ dit que faut que nous fêtes dans l'esprit. Donc fêtes dans l'esprit, c'est fêtes dans Jésus-Christ. Faites dans Jésus-Christ. C'est ça que fait dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Donc le fait d'être en Christ, c'est recevoir une nouvelle naissance. Recevoir une nouvelle identité, recevoir une nouvelle nationalité. Donc c'est ça, né d'esprit, c'est la nouvelle naissance. Donc c'est ça que fait nous dire que première condition ça, l'important, frère Jonas, bonjour bénir madame, donc l'important pour passer par cette nouvelle naissance. Parce que l'on fait pour la première fois, ou fait avec nature pécheresse, nous tous faites avec nature pécheresse, donc nous seulement fait partie de la race adamique. Ok? Nous seulement fait partie de la race adamique. Mais leur fait dans l'esprit, ou vient fait partie de la race, c'est-à-dire de la race christique, la race de Christ. Donc, faut que vous arriviez fait une deuxième fois, faut que vous recevez une nouvelle naissance ça, pour que vous soyez capable d'adorer le Seigneur. Et recevoir une nouvelle naissance ça, comment pour recevoir? C'est en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur. En acceptant Jésus-Christ comme son sauveur, en confessant. Ok? Alors, confesser que Jésus-Christ c'est Seigneur, ou croire dans le cœur, ou déclarer avec bouche, le ça, ou recevoir le sceau du Saint-Esprit. Donc, c'est à partir de ce moment-là, le recevoir le sceau du Saint-Esprit, c'est comme si vous venez recevoir un acte de naissance spirituelle. Vous venez recevoir un acte de naissance spirituelle. Donc, c'est à partir de ce moment que vous êtes prêt qu'on y a pour arriver à adorer mon Dieu. Donc, même si nous toutes nous faites avec le désir d'adorer, nous faites avec nature ça dans nous pour nous arriver à adorer. Donc j'aime te dire le dimanche là, c'est une sorte d'ADN que bon Dieu met dans nous qui fait qu'on est que nous appartenir à lui-même. Mais qu'on y a pour que nous prêts pour nous rentrer dans l'adoration, pour nous bailler bon Dieu adoration, faut que nous passer par cette condition qui c'est la nouvelle naissance. Et Nicodème lui-même devine expérimenter la nouvelle naissance. Si vous regardez le texte ailleurs qui c'est Jean chapitre 7 verset 50 et Jean chapitre 19 verset 39. Vous êtes capable de regarder deux textes qui prouvaient que Jésus et Nicodème t'a expérimenté la nouvelle naissance parce qu'il était venu devenir un disciple de Jésus-Christ. Nicodème est devenu un disciple de Jésus-Christ sous les textes à quoi. Ma première texte c'est Jean chapitre 7 50e verset et Jean chapitre 19 verset 39. Sous le texte, ça va côté que Jean lui-même et Nicodème deviennent devenir disciples de Jésus-Christ. Mais maintenant, si nous disons première condition, hein, qui c'est la nouvelle naissance, et pour y remplir condition ça, c'est accepter Jésus-Christ
comme sauveur personnel. Maintenant, pour qui ça, maintenant, nous dit condition ça, li indispensable? Pour qui ça, nous dit condition ça, li indispensable? Pour qui ça, pour adorer bon Dieu, faut que moi fait en Jésus? Pour qui ça, pour m'adorer bon Dieu, faut que moi fait en Jésus? Pour qui ça, li indispensable pour moi, pour me fait en Jésus, pour que m'rive adorer le Père? Maestro Jacob, bon Dieu, béni aux amis. Pour qui ça, faut me fait en Jésus-Christ, pour m'adorer le Père? Pour qui ça, m'pas qu'à passer de condition ça? Pour qui ça, m'pas qu'à passer? Pour qui ça, m'pas qu'à brûler étape ça? Donc, la nouvelle naissance, c'est une étape que m'pas qu'à brûler. Pour m'rive adorer bon Dieu, m'pas qu'à brûler étape ça. Donc, on va voir avec vous quatre conditions, quatre raisons. On va voir avec vous quatre raisons aussi simples qui montrent que pas qu'à passer de nouvelle naissance, pas qu'à passer de Jésus-Christ, pas qu'à passer de naissance en Jésus-Christ pour adorer bon Dieu. Depuis pas passer par cette condition, donc adorer bon Dieu vient un bagage qui est carrément impossible, complètement impossible que pas arriver à adorer le Père. Première condition, c'est que personne ne peut adorer Dieu avec le péché. Première condition, c'est que personne ne va arriver à adorer bon Dieu avec péché. Et ce n'est que Jésus qui règle le problème du péché. D'après, reprends ça pour vous. Première condition qui fait que je ne vais pas passer, bon, moi, il a fait vraiment la guerre, mais j'espère que bon Dieu a battu mes choses pour nous être fini. Donc, première condition qui fait que je ne peux pas passer de Jésus, je ne peux pas passer de nouvelle naissance pour m'arriver à adorer, c'est parce que personne ne peut adorer Dieu avec le péché et ce n'est que Jésus qui règle le problème du péché. Donc, je ne peux pas arriver à adorer bon Dieu avec péché et seul monde qui peut résoudre le problème péché. BDM, bon Dieu béni, seul monde qui a résolu le problème péché, c'est Jésus. Et ce n'est pas n'importe qui Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à travers la Bible, on obtient l'autre Jésus. Donc, on ne peut pas voir que dans sa cognia, à travers la Bible, on obtient l'autre nom, l'autre Jésus, mais ce n'est pas ce Jésus que nous avons parlé à là, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Première condition qui fait pas adorer bon Dieu sans Jésus, qui fait m'pas qu'à adorer bon Dieu sans m'pas fait, et en deuxième fois sans m'pas fait en Jésus, c'est parce que m'pas qu'à adorer bon Dieu avec péché. Et qui est-ce qui a réglé le problème du péché? Ce n'est que Jésus. Par contre, vous comprenez? Seulement Jésus qui a réglé le problème du péché. Si vous regardez dans Jean chapitre 1er, verset 29, Jean-Baptiste rend témoignage là. Le roi Jésus a venu, il dit: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui ôte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, Maestro Jacob, on nous prie, bon Dieu, pour bon Dieu faire toute bagaille, pour nous connaître comment nous gérer ça. Maestro Jacob dit titan trop court. Donc, dans Jean chapitre 1er, verset 29, Jean rend témoignage là pour dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte. Vous pouvez mettre accent sur ça. Qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, péché pas qu'on ôtait, péché était seulement qu'on couvrit. Donc sacrifice qui était offert dans l'Ancien Testament, amen. Sacrifice qui était offert dans l'Ancien Testament était couvri péché et était obligé à préfèl souverain sacrificateur était obligé à rentrer dans le lieu très saint une fois par an pour taper renouveler parce que sacrifice ça y a pas ôter le péché. C'était seulement couvrir le péché. Mais puisque ça que tu as fait dans l'Ancien Testament, et puis aux Hébreux dit que ce n'est que l'ombre des choses à venir. Et maintenant, puisque nous pas dans l'ombre encore, nous dans la réalité, Jean voit Christ qui a venu, Jean reconnaît lui pour dire: voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas qui couvrit le péché, mais qui ôte, le verbe ôter, qui ôte le péché du monde. Donc ce n'est que Jésus qui résout, qui règle le problème du péché. Donc c'est la première condition qui fait que nous n'avons pas qu'arriver à adorer bon Dieu en dehors de Jésus. Deuxième raison, Dieu ne reçoit pas l'adoration d'une simple créature.
Dieu ne reçoit pas l'adoration d'une simple créature, mais il reçoit l'adoration de son enfant. Deuxième condition qui fait que nous ne pouvons pas passer nom de Jésus, c'est parce que Dieu ne reçoit pas l'adoration d'une simple créature, mais Dieu reçoit l'adoration de son enfant. Donc, seul Jésus peut faire de nous l'enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 11-12, il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le 12e verset, la parole de Dieu nous dit que bon Dieu pas bayon l'autre nom que moun ka rive sauvé. Pas bayon l'autre nom ka sauvé moun, sinon que le nom de Jésus. Seulement le nom de Jésus peut sauver. Seulement le nom de Jésus peut libérer. Et seul Jésus fait de nous un enfant de Dieu. Donc, puisque bon Dieu pas recevoir l'adoration d'une simple créature, ça fait plus devant, nous pas le avancer, nous pas faire différence entre l'adoration et la louange. Nous pas le que tout le monde qui arrive louer bon Dieu. Là, nous pas le qui sa louange n'en y est. Tout le monde qui arrive louer bon Dieu. Là, nous pas le rentrer dans la profondeur qui sa qui est adoration. Nous pas le réellement tout le monde va adorer bon Dieu. Certes, tout le monde qui a loué bon Dieu. Mais tout le monde n'a pas arrivé à adorer bon Dieu. Donc, bon Dieu n'a pas recevoir adoration dans la créature, mais recevoir adoration dans la petite lit, entre les mains de son enfant. Et pour être l'enfant de Dieu, c'est par Jésus-Christ qui est capable de passer. Troisième raison, parce que qui fait que vous n'avez pas arrivé à adorer bon Dieu en dehors de Jésus, c'est parce que adoration, c'est une intimité profonde avec le Père. Adorer, c'est avoir accès au Père. C'est avoir accès direct avec Papa. C'est ça, adorer. C'est avoir une relation directe avec Papa. C'est avoir accès, avoir contact direct avec Papa. C'est ça qui est adorer. Donc, puisque adorer, c'est avoir un accès direct avec le Père. Mais pour me gagner accès direct avec le Père, m'obliger à passer par Jésus parce que Jésus, il est le chemin. Jésus est le chemin. Comment me faire al kay papa si me pas konn route là? Si me pas la kayou, m'obliger konn route là. Si je ne suis pas route là, je ne suis pas capable de la caillou. Donc, Jésus, c'est le chemin qui mène côte papa. C'est le chemin, c'est la route qui mène caille papa. C'est la porte d'entrée caille papa. Jésus-Christ, c'est la porte d'entrée caille papa. Dans chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Sous pas lui en côté, indispensablement, obligé de passer par chemin. Ou pas capable en côté, ou pas passer par chemin. Donc, obligé de passer par chemin. Donc, si Jésus c'est le chemin, je ne peux pas arriver à adorer papa sans pas passer par Jésus parce que c'est lui-même qui est chemin. Autre raison, c'est que, exactement, Maître Jacob, ou pas adorer un monde qui n'a pas gagné intimité avec elle. Ou pas adorer bon Dieu, sont pas intimité avec bon Dieu. Donc, adoration, c'est une question d'intimité, une question de contact direct. Dernière raison, parce que le sens est pour le fini, qui fait que nous pas adorer bon Dieu sans nous pas passer par Jésus-Christ. Pour adorer le Père, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Or, Jésus-Christ dit qu'il est la vérité. En plus qu'il est le chemin, mais il est la vérité.
Ce qui implique que pour adorer bon Dieu, moi obligé adorer bon Dieu en dans Jésus. M'obligé adorer bon Dieu en dans Jésus. Parce que bon Dieu, moi m'a fait quoi? Sans Jésus, nous n'avons aucun accès à bon Dieu. Non? C'est Jésus qui m'a donné accès à papa. C'est ça que nous sommes un auteur qui dit que Jésus-Christ fait un pont. Entre moi avec papa, Jésus-Christ fait un pont. Donc imaginez que vous allez passer dans une route, côté que vous avez un gros trou par en bas. Comment on fait traverser? Ce n'est pas moi, un pont. Donc si pas un pont, donc, extrémité que m'y a par rapport à l'autre extrémité, est complètement impossible parce que pas de pont. Donc, c'est ça Jésus-Christ lui-même lui fait. Il fait un pont entre moi-même avec papa. Il fait un pont entre moi et ciel. Donc, adorer bon Dieu, c'est gagner un accès direct, un accès immédiat avec le Père. Donc, pour m'arriver à faire ça, je n'ai pas l'autre moyen, je n'ai pas l'autre façon pour m'adorer. Très bien, Évangile Suguez, il est esprit. Donc, ces conditions sont extrêmement indispensables. Donc, pour finir, il y a un monde qui a attendu nous, il y a un monde qui prend le temps de nous. Ou créer, certes, pour adorer bon Dieu. Bon Dieu, créer pour adorer. Et c'est raison d'être. C'est raison d'existence sous adorer bon Dieu. Mais pour arriver à adorer bon Dieu, ou pas qu'à passer en dehors de Jésus. Maintenant, l'important, ou même qui est conscient que vous créez pour adorer bon Dieu, mais qui pour que jamais né de nouveau, qui pour que jamais fait une deuxième fois, qui pour que remplisse cette condition indispensable, qui c'est la nouvelle naissance, est extrêmement important pour prendre une décision. Est extrêmement important pour prendre une décision, et cette décision n'est autre que décision pour faire une deuxième fois. Décision pour faire dans Christ là. Je invite vous à prendre une décision ça. Donc, si peut-être qu'il y a un monde qui a une chance de regarder le live, qui peut connaître Jésus-Christ comme sauveur et maître, appel la lancer à vous-même pour remettre Jésus-Christ la vie. Parce que bon Dieu soif adoration. Bon Dieu grand goût adoration. Et puis devant nous parler que bon Dieu pas vivre de l'autre bagaille. C'est nourriture, bon Dieu. Adoration, louange. C'est ça qui nourriture, bon Dieu. Donc, si vous pouvez avoir Christ dans la vie, vous pouvez remplir cette première condition, nous invitons à faire ça. Si vous voulez bien Jésus-Christ la vie, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Vous pouvez rentrer en contact avec un monde qui peut être dans l'entourage ou que vous connaissez, qui fait expérience de cette nouvelle naissance. Il a aidé pour capable prendre décision ça. Donc, il a déjà fait 4 heures. Nous avons fait 4 heures, 2 minutes. Donc, nous avons fini. Jeudi, nous avons ensemble. Il y a une condition qui est indispensable. Frère Sonnel, bonjour, béni. Il y a une condition qui est indispensable pour nous arriver à adorer bon Dieu. C'est par lui-même pour nous commencer. Si vous ne pas passer par lui-même, peut-être bien mon gens doit dire que mal l'église. Le mal l'église, il dit chanter, me chanter, il dit battre, me battre. Si on ne joue pas de faire expérience de nouvelle naissance, on dit au poco, jamais rempli, première condition ça, qui est indispensable pour arriver à adorer bon Dieu. Si au poco, jamais rempli, première condition ça, au poco, jamais fait étape ça, brûler étape ça, qui c'est la nouvelle naissance, au poco, accepter Jésus comme sauveur et mettre tout, même si on va à l'église, il chanter, il dit levez-moi, on fait tout ça. Ou quand même dit ou senti la présence du Saint-Esprit. Mais il y a une grande différence entre émotion et la manifestation de la présence de Dieu. Donc, tant fini, on va le finir. Donc, c'est capable que émotion,
mais ce n'est pas la présence de Dieu en réalité. Donc, nous invitons à prendre une décision, ça. Remettre Jésus-Christ la vie. Et ou même qui déjà fait expérience de nouvelle naissance, ça, qui a une crise déjà. Donc, conscient que tout ça va fait pour faire en Jésus-Christ. Amen. C'est bien, allez, nous faites pour nous adorer, bon Dieu. Conscient que tout ça va fait pour faire en Jésus et en Jésus-Christ seul. Parce que seul Jésus-Christ donne accès au Père. À nous prier, bon Dieu. Seigneur, nous disons merci. Merci pour tant ça que nous passons. Merci pour chaque bien-aimé, chaque ami, côté by opportunité, pour être capable de partager ce moment ça ensemble. Merci pour la présence qui t'a enseigné nous. Donc, remettre chaque monde qui peut le garder, qui pourra le suivre, tant des enseignements ça, partage ça par la suite. Puis remettre que le Saint-Esprit capable de faire un travail extraordinaire dans la vie. Et si là, qui peut connaître comme sauveur et maître, qui peut faire l'expérience de la nouvelle naissance, que le Saint-Esprit capable de saisir le cœur, et capable de faire expérience ça, et comme ça, et capable de rejoindre l'armée d'adorateurs ça, qui campait pour adorer le Père à travers le monde. Père, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni, nous sommes contents pour nous être ensemble. Donc, dis-moi si Dieu veut, nous ensemble même le à partir de 3h30 pour arriver 4h. Nous espérons que bon Dieu continue à bénir, nous continue à enseigner, nous encourager, nous partager le message là davantage avec les amis, pour que plus de monde capable de bénéficier de paroles. Moi, c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort. Je suis très content pour être capable avec vous. Que bon Dieu bénisse. Merci parce que vous êtes là. Merci pour chaque monde qui t'a voué en commentaire. Merci pour chaque monde qui t'a partagé la live là. Et qui a continué à faire ça. Que bon Dieu bénisse. À dimanche si Dieu veut. Au revoir.